Bonjour les beaux princes et les belles princesses, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue pour les énergies d'aujourd'hui, du vendredi 19 mai 2017, ainsi que les énergies du week-end, le samedi 20 mai et le dimanche 21 mai. Alors, que nous réservent les énergies du week-end et déjà, que nous réservent les énergies du jour tout court? Donc, pour les énergies d'aujourd'hui, hein, du vendredi 19 mai 2017, toujours avec les cartes au cœur de la communication non violente de Sophie Grosjean. C'est une très belle carte, je trouve. Elle est très très douce et en même temps elle est très parlante. En fait, ce sont des énergies pour aujourd'hui, des énergies de contemplation. En fait, on va se poser et on va se demander où on en est dans la vie. Mais ça va pas être du côté drama, vous comprenez? Ça va pas être du côté dramatique. C'est un moment qui sera accompagné un peu de solitude, mais c'est une solitude qui est voulue pour pouvoir faire le point, pour pouvoir se retrouver tout simplement en face de nous-mêmes finalement. Ben tiens, salut, salut Steph, comment tu vas? Quoi de neuf ces temps-ci? Alors, c'est pas spécialement pour faire une analyse, c'est juste de se regarder et voilà, c'est se retrouver face à soi-même sans forcément avoir à faire un travail sur nous, hein. Pour aujourd'hui, non, c'est pas vraiment ça, moi, que je ressens, c'est juste regarder notre chemin de vie, que ce soit le chemin de vie, je veux dire, chemin de vie au quotidien, chemin de vie spirituel, notre chemin de vie au niveau du développement personnel. Voilà, c'est un tout, hein, je veux dire, c'est pas seulement dans un domaine bien précis, ça peut toucher un domaine précis, mais moi je sens que ça englobe quand même tout. C'est vraiment le chemin de vie global, on va dire, hein. Et donc, c'est de regarder ce chemin de vie et de voir la distance que l'on a déjà parcourue, les épreuves et les expériences que l'on a déjà vécues, et se dire, ben tiens, allez, rester positif face à soi-même et pas s'apitoyer sur son sort. C'est vraiment regarder les choses sans juger, avec bienveillance et avec autocompassion. C'est pas toujours facile, hein, je vous l'accorde, parce qu'on se juge volontiers beaucoup plus facilement qu'on ne le croirait. Mais remerciez-vous d'être en vie, d'être là en cet instant, peu importe les soucis qu'on a. On a tous des soucis, des petits, des grands, des moyens. C'est juste de vous accueillir en cet instant, car il n'y a que l'instant présent qui compte finalement. Donc voilà, ce sont des énergies pour aujourd'hui de contemplation, et j'espère qu'elles vous feront du bien, et que ça pourra même à la limite vous dire, ben oui, ben tiens, j'ai quand même déjà bien avancé, c'est déjà pas mal en fait. Que ce soit un petit pas ou un grand pas, peu importe. Voilà. Alors, pour les énergies de samedi, du samedi 20 mai 2017, alors vous savez bien que les énergies peuvent évidemment ne pas vous parler, ne peuvent ne pas vous toucher, ou elles peuvent aussi, donc l'énergie de vendredi, donc d'aujourd'hui, pourra venir seulement samedi, ou elle vous atteint, et les énergies de samedi vous atteindront peut-être dimanche, ainsi de suite. Voilà, l'énergie, c'est quelque chose de très fluide, c'est quelque chose voilà, qui vient pas à tout le monde d'un coup comme ça. Donc là, moi, je vous donne des pistes, des ressentis que j'ai, et avec mon intuition et les messages qu'on m'envoie. Après, il n'y a pas. J'essaye de capter l'essence de la date. Après, ça se peut que voilà, tout change, ça change tout le temps, rien n'est figé, vous comprenez? Donc voilà. Mais bon, voilà, pour le samedi 20 mai 2017, j'ai tiré cette carte-ci. J'espère que vous la voyez bien, avec les pierres. Ben. Donc c'est un homme, un vieil homme, qui a l'air ravi d'avoir fait ce gâteau. J'aime beaucoup les couleurs, hein, qui sortent de ces cartes. Donc pour le samedi 20 mai, moi ce que je ressens, ce sont des énergies de contentement. En fait, on va avoir envie de réaliser quelque chose. Ça peut être un petit truc, hein, donc par exemple comme ce gâteau, et de le présenter à notre entourage, car on est content de ce que l'on a accompli, tout simplement. Mais ça peut être vraiment un petit truc, hein. Par exemple, ce sont nos enfants qui ont cueilli des fleurs dans le jardin, qui viennent nous les montrer, qui sont tout contents. Ben voilà, c'est juste ça. C'est pas vraiment. C'est pas spécialement des énergies de contentement parce qu'on a créé le nouveau parfum qui va cartonner
Voilà, c'est pas spécialement grand, vous comprenez? Ce sont des énergies d'invitation, en fait, aussi à partager ce moment. Par exemple, vous allez peut-être être invité à savourer ce gâteau fait maison et avec cœur. Par exemple, vous avez peint un tableau, mais alors c'est vraiment votre premier tableau et allez, pour vous, ben voilà, vous en êtes super content et donc vous avez envie de le montrer à quelqu'un qui compte pour vous. Alors c'est pas spécialement non plus d'inviter toute la famille, c'est peut-être juste un ami, une amie à qui vous avez envie de présenter ce que vous avez accompli aujourd'hui. Ce sont des énergies en fait où voilà, on sera content de ce que l'on fait tout simplement. Ça peut être créer des bijoux, faire son premier vase en poterie, son premier tableau, essayer une nouvelle recette, écrire un beau poème. Voilà, c'est pas des grandes choses, mais voilà, ce sont des petites choses qui sont très importantes aussi. Donc voilà, des énergies de contentement donc, que je ressens vraiment pour le samedi 20 mai 2017. Alors, pour les énergies du dimanche 21 mai 2017, voilà la carte que j'ai tirée. C'est un très beau tirage, hein, je ne vais pas vous mentir. Enfin, moi, je le ressens en tout cas très très beau. J'espère que vous voyez bien. Donc, on voit une maison ici avec un jardin, le ciel bleu, tout se passe bien. En fait, pour dimanche, ce que je ressens, ce sont des énergies d'accueil, des énergies de sincérité. Ce sont des énergies qui nous invitent à passer un moment agréable dans une demeure, peu importe quelle que soit la demeure, un appartement, une vieille bicoque, enfin ça n'a pas d'importance, je veux dire, vous comprenez, j'ai mis le mot demeure, mais bon, voilà. Que ce soit notre maison ou que ce soit chez quelqu'un d'autre, c'est vraiment nous inviter à passer un moment super chouette. C'est une belle journée, je sens que c'est vraiment une belle journée, sans encombre. Une journée qui coule de source, j'ai envie de dire, comme si c'était normal que cela se passe comme ça, de la sorte, que ça se passe aussi bien, que ce soit aussi cool, que ce soit aussi agréable, aussi joyeux, aussi, voilà, aussi beau. voilà, on accueille les moments pour s'en faire de bons souvenirs plus tard. Donc, j'ai dit, ce sont des énergies d'accueil, on accueille des personnes chez soi, ou alors on s'accueille tout simplement, tel que l'on est, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, c'est une journée très très agréable, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà pour les énergies d'aujourd'hui et du week-end. Voilà, en espérant que ce tirage vous plaise, pardon. Moi, je trouve qu'il est très beau et je pense que ça va faire du bien de se contempler un peu, d'être face à soi-même. Sans se juger, en essayant d'être bienveillant envers nous-mêmes. On a des fois envie de se gueuler dessus, on est frustré, on aimerait bien que ça avance et autrement. Et franchement, je peux vous dire que je fais aussi partie peut-être de ces gens-là, sans doute oui. Mais voilà, il faut essayer pour aujourd'hui d'être cool, relax et juste s'accueillir, s'asseoir et remercier. Vous comprenez? C'est pas évident parce que des fois on se dit mais pourquoi j'en suis là? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ou ce genre de choses. Essayez d'être gentil avec vous-même, d'accord? Essayez d'être dans la douceur. Et puis ici, ben pour samedi, ce sont des énergies de contentement, donc peut-être qu'on va se dire, allez, je fais quelque chose aujourd'hui qui m'anime, qui me fait du bien, et je verrai ce que ça donne. Et du coup, vous allez faire des choses qui vont vous donner envie de partager ce moment, c'est génial. Et puis ici, on se retrouve dimanche dans des énergies vraiment agréables. Dans une demeure, peut-être passer un moment aussi dans le jardin, hein, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé du jardin, mais c'est vrai, c'est franchement le jardin qu'on voit en premier quand même. Donc peut-être qu'on va avoir envie de passer un moment dehors, à l'extérieur, mais ce sera très agréable quoi qu'il en soit. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une belle journée. Et donc je trouve que c'est un beau week-end et j'espère pour vous qu'il sera très beau, très agréable. Je vous fais de gros bisous de lumière et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt les petits chouchous!